Les amis, l'heure est grave. C'est grave. Mes chers frères, je ne sais pas ce qui est au-dessus du grave. C'est pire, je pense qu'il faut le dire. C'est pire. Trop de morts chez nous. Cette fois-ci, ça m'a touché aussi. J'ai toujours parlé des affaires des gens, empoisonnement par-ci, mort par-là, mais cette fois-ci, c'est venu me trouver. Oui. La dame que vous voyez là, on l'appelait Glory Dada. C'est la tante de ma femme. Tante directe de ma femme. Alors, dimanche passé, elle était à la réunion. Regardez cette petite vidéo et je vous prends après. Ok. Ça se mange fort. La solidarité. C'est grave. Très bien. C'est elle qui parle de la solidarité là. Et elle dit, ça se mange fort. C'était le jour de leur réunion. Et c'était son tout dernier repas. Ce dimanche là. Selon ce qu'on nous informe, ce jour-là, qu'elle est rentrée de la réunion, elle est arrivée chez elle, elle s'est couchée et tard la nuit vers, je ne sais pas, c'est vers minuit ou c'est vers 23h, je ne sais pas trop. En fait, la nuit, elle s'est levée et elle a mis son téléphone en charge. Malheureusement, sa fille se lève où elle partait se mettre à l'aise. Elle trouve seulement le corps de sa mère au sol. On ne sait plus la suite. Et on nous fait savoir, ou bien on nous fait comprendre que quand on portait son corps pour l'amener à la morgue, un liquide noir, bien noir, est sorti de sa bouche, est sorti, en bref, du ventre, et qui dégageait, donc qui sentait tellement. La question c'est de savoir, c'est quoi le liquide? Les experts, expliquez-nous un peu. Le liquide noir qui sort là quand quelqu'un est décédé, c'est quoi, s'il vous plaît? Point d'interrogation. Comme vous voyez en photo là, une dame vraiment tellement gentille, serviable, qui n'avait même pas la simple toux, qui ne manifestait même pas un petit symptôme de maladie. Actuellement, elle est à la morgue de l'hôpital général ici à Yaoundé. Le monde est méchant. Le monde est méchant, les amis. On vous dit chaque jour, faites très attention. Méfiez-vous. Les ennemis sont partout. Jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, nous sommes mercredi, on nous annonce que aucun membre de cette réunion n'a mis pied chez elle depuis qu'elle est décédée. C'est ça qui est curieux. Je ne veux pas parler de poison parce que je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais le simple fait qu'aucun membre de la réunion n'a encore mis pied chez elle nous fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a mis dans ce verre que vous avez vu? Elle était en train de boire. Ou à défaut, on n'a rien mis. Oui. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'elle rentre chez elle sans même pleurer son ventre, sans même pleurer les maux de tête? On trouve seulement le corps sans rien dire à personne. Elle est bien rentrée chez elle. Elle a salué, elle a bien parlé à ses enfants. Elle n'a même pas dit qu'elle avait mal au ventre. Non, même pas un cri. On trouve seulement le corps au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe sur cette terre? Plus tard, plus loin, tant pour moi, comme vous voyez en image là, on nous parle d'une dame qui est partie aussi des États-Unis. Elle est arrivée au pays, elle s'amusait avec ses copines. Actuellement, si elle est aussi à la morgue, donc elle allait boire avec ses copines.
actuellement si elle est à la morgue. On dit tous les jours aux benguistes, quand vous arrivez au pays, méfiez-vous parce qu'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de copines, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous appelez jusqu'aujourd'hui copine, copine, ami? Qu'est-ce que vous appelez ami? Vous pensez vraiment que l'amitié là existe encore? Non, le monde est méchant. Je vous ai dit que l'Africain est tellement jaloux de la réussite, du succès de l'autre. Mais je dis ça chaque jour, les gens ne comprennent pas. Méfiez-vous, c'est vrai que ce n'est que Dieu qui nous garde, parce qu'à tout moment, à tout bout de champ, on peut te prendre. Mais sois quand même prudent. Sois prudent. Soyez prudent, les amis. C'est gâté. C'est très grave. C'est très grave. Voilà donc que je vais aller enterrer ma soeur. Quand je pense comment elle m'a embrassé hier pour me dire mes félicitations, tu es un brave garçon et tout. J'aime ce que tu fais. Elle me suivait, m'encourageait. C'est l'une des personnes dans ma belle famille qui m'a tellement soutenu dans ce que je fais. Quand je pense à ça, je pleure intérieurement. Mes larmes ne peuvent pas couler, mais vous ne pouvez pas imaginer la douleur que j'ai quand je pense qu'elle n'est plus. Et quand je pense que cette mort n'est pas naturelle. Ou alors, c'est le faux whisky, comme on nous dit là. Et si c'était le faux whisky, c'est elle, celle qui meurt? Seigneur, j'ai ton regard sur nous. C'est très grave. C'est très grave, la famille. Ne vous amusez plus avec votre vie. La mort ne dit plus rien à personne aujourd'hui. C'est-à-dire que te ôter la vie aujourd'hui, c'est devenu même une concurrence. Oui, les gens se baladent avec la mort. Je ne veux pas parler du poison. Les gens se baladent avec la mort désormais. Donc, si tu fermes ton œil, on donne ta part. Tu t'amuses, on donne ta part. On dit que le tout, si c'est grave, c'est très, très grave. C'est vraiment très, très grave, les amis. C'est très grave. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Et je profite aussi pour vous annoncer la levée de corps de Madame Copper, qui est décédée toujours dans des situations troubles comme ça. Ce samedi, à l'hôpital général de Douala. Paix à ton âme encore, Madame Copper. Paix à ton âme, Maman Gloria. Ma mère, que ton âme repose en paix et que tous ceux qui passent le temps à vous faire ça, restez éternellement en vie. Ne meurs jamais. Vous comprenez dans la compréhension? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.